Mon épouse avait vu dans l'éperon qu'on pouvait louer le grand parquet. J'ai pas mis un quart d'heure pour arriver ici. Je me suis dit, l'idée est géniale, merci chérie. Et je suis parti. Alors que nous accueillons la championne de France en titre, Charlotte Lebas, auteure d'un superbe parcours en première manche, s'élance avec les talons Cabard des Monceaux. Un premier parcours réalisé de main de maître tout à l'heure. Joli passage de triple pour le couple, toujours sans pénalité. Et si la France est sans faute, elle est assurée de remporter cette coupe. Vous avez rendu vos supporters fiers de vous aujourd'hui. Rendez-vous dès 2017 pour la prochaine Coupe des Nations du BIP. Et 5 Français, dont Jeanne Sadran, en piste avec Romini de Bruse. Un poney d'expérience sur ses côtes, une cavalière qui faisait partie de l'équipe de France Children. Et un très joli parcours en première manche, tous les ingrédients sont là pour un second sans faute. Je rappelle que Romine se classait déjà 3e de ce Grand Prix il y a 2 ans. Il était alors associé à Nina Malvé, que nous retrouverons juste après avec Rex Terdor. La galopade pourra s'avancer vers la dernière ligne verticale. Cette foulée, ça passe 36-33, le chrono est abaissé, Jeanne prend les commandes de cette épreuve. Voici à nouveau les Pays-Bas, la deuxième cartouche pour ce pays, Élisée Vandeleuil, nous encourager avec elle. Quel beau spectacle! Moment de sport, moment d'émotion que nous offre notre partenaire privilège équitation sur ce Grand Prix.
ce Grand Prix édition 2016 du CSIOP, avec un magnifique podium, avec une magnifique victoire. Une nouvelle fois, s'il vous plaît, saluez la championne, Jeanne Savant. Allez, levez-vous, messieurs, découvrez-vous, pour qu'en l'honneur de notre championne Jeanne Savant de Robinet de Bru. Et c'est la pilote française. Qui s'avance sous vos yeux, Clotilde Josserand, associée à Calas Résidal Z. Autre cartouche tricolore, déjà gagnante de la grosse épreuve d'hier. Tout est encore permis. Et la française qui réalise un joli tracé et qui franchit l'avant-dernier vertical, le même tracé que l'allemand, et qui abaisse le chronomètre de près de 2 secondes, 37 secondes 49. Pour la française Clotilde Josserand et Calas Résidal Z, le couple qui avait remporté le Grand Prix à Spone Elite Excellence de Jardy, qui avait gagné la grosse épreuve d'hier, il triomphe à nouveau sur ce Grand Prix du CSIP de Fontainebleau. Un couple décidément très 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 en forme. Et à la première place, la championne 2016 du CSIP, Clotilde Josserand. Continuez, continuez à l'applaudir, Clotilde Josserand l'emporte, Calas Résidal Z. Bienvenue sur le site du Grand Parquet et bienvenue pour le BIP 2016. 5 pistes ce week-end, plus de 1000 poneys sur place et un site tellement privilégié avec la forêt pour aller promener les poneys et le Grand Parquet si magnifique. Et maintenant, je vous invite à nous accompagner dans les coulisses de l'événement. Bonjour, je m'appelle Anne, nous sommes ici au secrétariat général. On s'occupe avec ma collègue Catherine de l'accueil des cavaliers nationaux et internationaux. Cette année, on a la chance d'avoir plus de 1000 cavaliers et près de 3000 poneys. On s'occupe aussi de l'accueil des exposants qui sont nombreux. On doit avoir une soixantaine d'exposants. C'est un très beau concours qui se déroule actuellement et on est très heureux d'être là. Bonjour, je m'appelle Didier Gondet, je suis président de jury d'une jumping ce week-end CSIOP de Fontainebleau et notre rôle est de juger toutes les épreuves de ce concours. Nous sommes en train de juger l'épreuve pour les jeunes poneys à barème avec un barrage. Et là, ce sont les 6 ans qui tournent et après, nous aurons les 7 ans dans la foulée.
Et une autre grosse partie du BIP, c'est bien évidemment le village exposant. Plus de 60 exposants cette année. Nous avons des celliers, nous avons des distributeurs d'aliments, nous avons des équipementiers, plein de stands à découvrir durant ce BIP 2016. Et la base de toute performance sportive est bien évidemment la préparation aux écuries. Je vous emmène découvrir celle du Bono International Poney. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Chérel. Donc cette semaine pour le BIP, je suis stable manager. Donc je m'occupe de tout ce qui est plan des écuries, accueil des camions pour que les cavaliers puissent décharger au mieux leurs poneys dans les écuries. Et voilà un petit peu mon rôle pour cette semaine. Je suis Axel Pasquale, donc le maréchal ferrant du concours du Grand Parquet, organisé par André Bonneau. Ma mission consiste, je suis sur le terrain surtout si les chevaux se défèrent en dépannage. Après ça arrive aussi que généralement les clients arrivent, ils oublient 2-3 trucs, les mortaises par exemple, vu que là on a un terrain en herbe. Donc il faut, surtout quand il pleut comme ça, il faut des mortaises. Et tandis que nos cavaliers s'affrontent sur les pistes du BIP, la jeune génération était en visite aujourd'hui. Moi déjà j'adore les enfants et c'était une occasion pour moi d'offrir aux enfants ce que j'aurais rêvé à mon époque d'avoir. Il y a plein d'enfants qui sont attirés par ce sport. Et surtout, ce matin, je me suis occupé des enfants et on leur donne les vraies valeurs du respect de l'animal. On ne fait pas n'importe quoi. Et moi, je suis sûr qu'ils vont rentrer chez eux ce soir. Ils vont dire « Maman, j'ai envie de faire du poney ». Donc si c'est ça, s'il y en a ne serait-ce que 10 sur 50, j'ai gagné. L'édition 2016 se termine, donc on pense déjà à 2017 et puis avec plein de projets. Merci d'être venu. À l'année prochaine.